Nicolas de Steendorff, on vous prend à la descente du podium. Voilà, je descends les marches de Cannes, je viens d'avoir mon Oscar. Oui, donc c'est carrément ça. Donc vous venez d'avoir le prix des romancières. Absolument. Et alors vous êtes super euphorique. Moi je vous ai un petit peu observé juste avant, je voyais tourner un rond comme un lion en cage. J'étais très très nerveux. Je n'aime pas du tout parler en public, je ne suis pas du tout à l'aise. Comme je l'ai dit dans mon discours, je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Donc voilà, le parler avec un micro, dire merci, je me sens toujours un petit peu, je sais pas, j'aime pas avoir plein de regards braqués sur moi. Paradoxalement, j'aime l'idée qu'il y ait des milliers de lecteurs qui soient plongés dans mon intimité, mais avoir des regards directement, ça m'angoisse. Voilà, mais bon, c'est passé, ça a duré 2 minutes, tout le monde a été très gentil avec moi, et en plus je suis parti avec des cadeaux, alors franchement. Oui, je vous trouve d'autant plus décontracté, vous semblez bien nerveux. Donc que représente pour vous un prix comme cela dans une foire de livres? Bah d'abord un cadeau, et puis le cadeau de 7 romancières, donc de personnes qui sont de la partie, qui sont des consoeurs en fait, qui ont pris le temps de lire mon livre pendant 650 pages, de l'aimer, de le comprendre et de le couronner. Donc c'est toujours très agréable d'être couronné par ses pairs. En plus, ce sont des romancières qui sont pas exactement de ma génération, donc qui ont de la bouteille, qui ont beaucoup lu, beaucoup connu. Et le fait qu'elles me choisissent, ça fait plaisir parce qu'on sent qu'on fait partie d'une famille. Voilà. Je voudrais démentir une rumeur comme quoi elle vous aurait choisi pour votre physique. C'est pas du moins pour ça, vous avez des qualités d'écriture. Oui, et puis franchement, il y a des gens beaucoup plus sexy que moi. Regardez, je porte des vestes rouges. Non, j'ai du bide. Mais effectivement, je suis coloré. Jacqueline Monsigny est colorée, Frédéric Hébrard est coloré. Donc voilà, dans un monde de grisaille, on me laine la couleur. Et vous êtes en bleu, c'est pas à vous que je vais dire, voilà, qui va me faire dire le contraire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de partager ce moment un petit peu euphorique avec nous. Ah ben oui. Ça fait vraiment plaisir et puis on vous souhaite, on vous dit merde pour la suite. Oh ben merci, plein de merde pour tout le monde. À bientôt.